Elle aimerait bien venir. C'est con, j'ai fait une carte sur ma carte l'autre jour, j'aurais dû les voir. Je vais vérifier. Surtout moi. Et Maxou, et on n'est pas belge. Non. Voilà. Il y a des jours où on aimerait se prendre une tuile sur la tête, histoire de se fendre les idées, histoire d'être un peu plus bête car être un imbécile heureux. Ça réjouit les tourments, ça te rend comme un peu niaiseux. Ça fait que t'es content d'être content, faut commencer par arrêter de se fumer la cervelle pour des choses sans intérêt qui te font brûler le bordel. Mais il y a toujours un petit hic, une petite couille dans le potage qui rend les petites choses dramatiques, qui fait que tu pars à l'abordage. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me casses les oreilles parce que juste avant le premier pas, j'ai pas fait la vaisselle, alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu te mets en stress parce que je mange trop de chocolat, alors ça va pas dans tes fesses, alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me pètes les bonbons parce que d'après toi, j'ai mal taillé la cloison, alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me défrises la choucroute parce que tu veux pas venir avec moi en vacances à Mout. Bah ouais, c'est pas vous qui l'avez, Moutin, c'est nous qui l'avons. Et d'ailleurs, maintenant, il n'y a pas... Parce que nous, en fait, on est franco... Enfin, moi, je suis franco-comtoise. Ah ouais. On se comptait accompagner tout ça. Ouais. Et maintenant, c'est les bourguignons qui nous ont récupérés. Ils sont dégoûtés. Et vous, je sais pas qui c'est qui, vous... Alsace, Champagne Ardenne, tout ça. Oh merde, les pauvres aussi, parce que putain, récupérer la Marne et tout ça. Tout dans le monde. Eh hey, putain, on pourrait faire un concours de consanguin. Parce que nous, on a la Haute-Saône, vous, vous avez la Marne, la Haute-Marne. On s'envoie nos consanguins, tout coup. Ouais. Ouais, putain, la Meuse. Oh, merde, attends. Meuse. On était où, là? On a la chance de temps en temps de grimper au 7e ciel. Alors pourquoi on ne prend pas le temps de vivre au pays des merveilles? Pourquoi on ne peut pas s'empêcher de se gâcher l'existence avec des détails allégés? Des pétravers sans importance, on n'est qu'un micro-bout de plancton au milieu des océans. Une micro-merde de canton, pourquoi on ne peut pas simplement se laisser aller, profiter du paysage, car dans la vie y a pas à chier, on est que des oiseaux de passage. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me cherches des embrouilles parce que je mange avec mes doigts, parce que je mets trop de beurre dans mes nouilles. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu te mets en nage parce que tout de suite dans les médias je réponds pas à tes messages. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me pètes les cacahuètes parce que mes potes et moi, bah ouais, on aime faire la fête. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me mets une chasse parce que j'ai pas repassé les draps alors qu'il y a plus personne qui repasse. Enfin, si, si, sa mère. C'est vrai. Qu'est-ce que ça doit être pour les cons d'en avoir juste rien à foutre, de rien comprendre à la baston, puis de rentrer dedans avec une poutre, d'oublier ses neurones, de se prendre pour un groseille, de réfléchir comme un lendemain qu'il faudrait jouer, troubadour, et profiter de chaque instant, car ce soir est un autre jour, et c'est ici et maintenant qu'on doit jouir, couper le moteur, et puis l'avenir, on y pensera tout à l'heure.
c'est vachement plus vivant en tout cas. Ramon Pérez, Ramon Pérez, Ramon Pérez ne peut pas dormir. Alors pourquoi, dis-moi, tu me comprends si fallait, parce que ma guitare et moi, on n'est jamais accordé. Alors pourquoi, dis-moi, tu me chiffonnes la bouteille, parce que tu aimes le tcha-tcha-tcha, et c'est moi que tu traites de vieille. Alors pourquoi, dis-moi, tu me dis que je fais la gueule, alors confonds-moi, j'ai juste envie d'être toute seule. Alors pourquoi, dis-moi, tu débordes de la cocotte, parce que je t'ai trompé à 6 mois, c'était même pas avec ton pote. Alors profite de chaque jour, détends ton sphincter, vas-y, fais-moi l'amour et tape dans le fond, je suis pas ta mère. Hey, c'est la poésie franco-ontoise, hein. Mais au moins, comme ça, t'es mis au parfum. Hein, que bienvenue, bienvenue. Eh ouais, je sais pas, parce que moi, je suis sur Besançon. Je sais pas si vous y venez des fois à Besançon. Mais Besançon, on fait quand même des sacrés brins. Il fait chaud, surtout l'hiver même. Ouais. Hey, il y a pas longtemps, en fait, j'ai fait une bringue. C'était un festival à Besançon. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais bien dans mon lit, déjà c'est bien, mais par contre, j'étais vieux et je m'en rappelais pas du tout. Eh, ça arrive, hein, des fois. Prends la tête du deux. Ben, en fait, c'est vrai qu'une fois que t'as 4 grammes, quand il est 4 grammes du matin, tout le monde est déjà vachement plus beau, puis vachement plus intelligent. Hein. Il y a des soirs comme ça, t'embrasserais bien une blonde ou même une rousse, y'a que ça, t'embrasserais bien tout le monde. Il y a des soirs comme ça, tu ferais plaisir à ta voisine, même si elle est faite comme un panda qui se prend pour une ballerine. Il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça, où le monde est tellement beau que je paye des verres même à toi, que je connais pas mes calèches chauds. Il y a des soirs comme ça, je me taperais bien sur l'épaule pour me faire pas n'importe quoi, me coucher, t'as mis ta chaude, taille et tour comme ça. Il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça, on refait le moins nickel, on se démerde pour le mettre à l'endroit. Mais là, c'est le même bordel, il y a des soirs comme ça. J'aurais su, j'aurais pas venu, c'est pas bon pour mon foie. J'aurais su, j'aurais pas vu, il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça, j'embrasserai bien tout le monde, même si le monde y va pas droit. Je me dis que même la terre et le monde, il y a des soirs comme ça. J'ai embrassé tout le monde, il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça, j'ai embrassé tout le monde, monsieur Dufour, madame Dubois, en passant par la Raymond. Il y a des soirs comme ça, c'était des pièces antibiotiques, je sais que c'est pathétique, j'ai même embrassé un flic. Il y a des soirs comme ça. Putain, il n'y a personne qui réagit. Alors il y a des endroits quand même où si j'ai embrassé un flic. Non, c'est vrai en plus. J'ai les bonnes salles. Mais ça, c'est ça, oui. Les critiques. Là, ils en ont rien à foutre, en fait. Non, mais c'est vrai en plus, j'ai même embrassé un CRS, tiens. Et je me disais, il va peut-être sortir sa matraque à un moment donné. Ben non, même pas quoi. Béni. Il y a des soirs comme ça, j'ai embrassé tout le monde, monsieur Dufour, madame Dubois, en passant par la Raymond. Il y a des soirs comme ça, c'est peut-être des antibiotiques. Je sais pas d'éthique, mais j'ai même embrassé un flic. Il y a des soirs comme ça. 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 C'est sûr, je me couche à jamais. À moins que je rencontre quelqu'un qui m'embarque sur les têtes. Je me laisse et qui mène droit au bel pain. Et on se retrouve soudain avec deux verres dans la main. Le temps de vomir et je reviens. Mais pour dire c'est bel et bien notre soir comme ça. Encore un soir comme ça. Encore un soir comme ça. Un autre soir comme ça. Encore un soir comme ça. Où je vais embrasser tout le monde. Et moi je suis capable, hein. Si jamais t'insistes, d'accord. Encore un soir comme ça.
Voilà. Merci. Et c'est vrai que quand il est 4 grammes du mat, c'est vachement mieux pour draguer, hein. C'est vachement plus facile, en tout cas. Hein, c'est simple. Soudain, parce que t'en as rien à foutre de prendre un râteau, tu vas vers l'autre d'un côté. Mais ça n'empêche que des fois, ça peut arriver de te faire draguer à jeun. Enfin, moi, il n'y a pas longtemps, par exemple, je suis sortie de chez moi et oh, je fais draguer. Ouh. Hey, il était 16h de l'après-midi. Eh ben, bien. J'étais fière, excitée. Hey, je me baladais le long de ma rue et tout, il est passé dans son gros camion. Et il m'a klaxonné, il m'a fait coucou. Alors moi aussi, je fais coucou, parce que je ne veux pas klaxonner. Mais... Et puis, je me demandais que c'était, je me disais peut-être qu'on se connaît ou pas, parce qu'avec le reflet du soleil sur le pare-brise, j'arrivais pas à voir sa tête. Et... Ouais, enfin bon, bref, j'étais excitée. J'arrive à ma voiture, tout, et là, il avait le temps de faire le tour du pâté de maison, il s'est garé en face de moi. Et là, il a baissé sa fenêtre. Et là, j'ai vu sa tête, et là... Putain, il m'a proposé son numéro de téléphone, alors je dis oh, non, ben non. Et sur son camion, il y avait marqué Jean-Marc. Je sais plus son nom. C'est vachement mieux pour lui, quand même. Et pour sa femme, je pense. Débouche les canalisations. Vidange les fosses sceptiques. Merci Jean-Marc. Sans son amour. Quand j'ai croisé ce jeune homme, qui était aussi jeune que mon père, il avait plus de phéromones que Niesta en plein désert. On m'a proposé son numéro, il savait pas, le cochon avec sa dégaine de vieux beau, qu'il allait finir en chanson sur son camion, une inscription, Jean-Marc, pathétique, débouche des canalisations, vidange ta fosse sceptique. S'il avait été zingueur, je me serais fait dézinguer. S'il avait été monteur, je me serais fait démonter. Si j'eût été ramoneur, je me serais fait ramoner. Mais Jean-Marc, c'est ma couleur qui débouche tes laissés. J'aimerais que tu protèges ma berge, que tu me cures le siphon. Tu me carcherises, que tu m'asperges le fond des canalisations. Vidange-moi le bac à graisse, qui est plein comme un gendarme. J'ai les conduits en détresse. Tire-moi la sonnette d'alarme. Déverse-toi dans mon égout, inspecte-moi la cavité et remplis-moi les trous, ah oui, dégage-moi la cuve, pompe-moi la fosse sceptique, il fait tout chaud dans mon étuve, viens faire un tour sous mes trompines. S'il était archéologue, je l'aurais laissé fouiller, s'il était des proctologues, je me serais bien fait brotouler, je serais fait déculoter, s'il était des surculottes, que Jean-Marc est habillé et il s'occupe des chiots. Désingue-moi la plomberie, oh oui, trouve-moi que j'ai un homme. Inspecte-moi la tuyauterie, assainis-moi le caillon, rétracte mes sédiments, ventouse-moi le boxon, canalise-moi violemment, j'ai les fluides qui se détraquent, je crois que j'ai perdu les eaux usées, j'ai comme des fuites dans le cloaque, et le réservoir percé, j'ai l'impression que je suis plus étanche, oui Jean-Marc. Donne-moi, il suffirait d'un petit coup de manche pour que ça reparte comme autrefois. S'il avait été chômeur, ben il n'aurait pas chômé. S'il avait été violeur, c'est pas un métier. Pas un métier, ça. S'il était aventurier, j'aurais été sur Amazon. Mais voilà, ça fait rêver. Jean-Marc, c'est le roi des trônes. La tête baissée, Jean-Marc. Et tu essayes et tu siphonnes Jean-Marc, des plus jeunes jusqu'aux plus vieilles, tu cherches une femme Jean-Marc, qui te soit fidèle. Mais t'as les mains dans toutes les flaques et c'est pas occasionnel. Et j'ai crié Jean-Marc, avec moi, t'as rien à perdre. Et j'ai hurlé Jean-Marc, t'es déjà dans la merde. N'avais pas l'oreille affûtée. Et pour un siphonneur, le comble c'est d'être bouché. S'il eût été boulanger, il m'aurait pété les seins. S'il avait été pompier, il m'aurait aspergé les reins. S'il avait été curé, ça lui aurait fait du bien. Mais Jean-Marc, il est athée et il s'occupe
C'est un super coup. Et Jean-Marc, il paye sa reine. Jean-Marc en question, voilà, il s'est arrêté, il m'a dragué, j'ai dit non, il s'est barré, quoi. C'est quoi, c'est bien. Bah, c'est ça qu'il faut faire, parce que par contre, si j'avais été d'accord, j'aurais dit oui. C'est pas compliqué, la vie, tu dis oui, tu dis non. Enfin, bon. Bah, par contre, si tu dis non, c'est pas oui, enfin... Il y en a qui ont du mal à comprendre la différence entre oui et puis non. C'est bizarre, hein, parce que c'est quand même pas le même mot que oui et puis non. Ouais. Non, je pense, par exemple, entre autres... Oh, c'est con, ça tombe sur sa gueule, mais moi, ça me fait plaisir. Les gonzesses avec qui il a... Bah, il fallait plus, hein, parce que c'est pareil, mais il y a toujours quelque chose, cette espèce de gros porc. Voilà. Donc il a abusé des gonzesses avec qui il a travaillé pendant au moins 15 ans, il a abusé d'elles. Il les plotait, il les coinçait dans les couloirs et tout. Il y en a une, il lui a couru autour de son bureau, il lui a couru après. Oh, t'as eu ça où, gars? Eh, qui c'est qui t'a élevé, toi? Sérieux? Et normal, et il s'est quand même pris des plaintes au cul, donc je sais plus combien il a eu de plaintes réellement, mais il y a quand même eu 12 gonzesses. Je sais pas si elles ont porté plainte, mais qui ont dénoncé ses faits et gestes. Oh mec, quand t'as 12 plaintes au cul, déjà tu te fais tout petit et puis tu dégages ta race, qu'on voit plus jamais ta tête nulle part. Le gros con, il est resté droit dans ses bottes, nickel quoi. Il a été jugé, il est passé au tribunal, mais en fait il a été débouté parce que l'histoire était trop ancienne et à prescription. Oh. Ouais, oh, ben il y a une chose qui est sûre, c'est que ma chanson, il n'y aura jamais de prescription dessus, gros con. Ouais. Donc j'ai fait une chanson douce, et j'ai appelé. Ta gueule! Ça doit faire plaisir à ta mère, ça impressionne les marmots, elle fait sourire la fromagère. Mais monsieur, ça ne suffit pas, il nous faudrait quelques stères de matière grise. Et voilà, t'as mis la tienne en jachère, alors tes caprices de beaux gosses et tes idées dégueulasses, tu peux te les caler dans le sac, ça te fera du bien. Par contre, ça passe, car si tu crois que c'est toi le boss, parce que t'as des testicules, dis-toi qu'on est plus féroce qu'un pervers sans scrupule. Quand c'est non, c'est non. Choses.
Je me fais dire parce que ça fait pas longtemps, mon père il m'a vu en concert, il m'a dit ah la miss, il faut pas que tu cites son nom, tu vas avoir des emmerdes. Et là j'ai rigolé, j'ai dit ah non seulement je cite son nom sur scène, mais j'ai écrit dans mon CD si jamais il tombe dessus. Ouais. C'est voilà, comme ça on fait des chansons. Doute, ouais, c'est ça. Et comme ça, si jamais un jour j'ai une plateau cul, je ferai un crowdfunding, j'ai encore jamais fait ça. Ouais. Ça marchera, hein. Bah ouais. Ça, bah oui. En attendant, on dit qu'il a vu la Vierge. C'est comme ça qu'on dit, t'as vu la Vierge, toi. Ouais. En fait, nous, on a plusieurs albums avec... on a des CD. Des CD. Ah, on a pas encore des CD, mais... Des CD. D'ailleurs, on sait très bien quand on sera des CD, on va en acheter plus de CD, mais ce serait sympa de nous acheter des CD avant qu'on soit des CD. 3 CD, 4 CD, 5 CD, 6 CD, 7 CD, 8 CD, 9 CD, 10 CD, 11 CD, 12 CD, 13 CD, 14 CD, 15 CD, 16 CD, 17 CD, 18 CD, 19 CD, 20 CD, 21 CD, 22 CD, 23 CD, 24 CD, 25 CD, 26 CD, 27 CD, 28 CD, 29 CD, 30 CD, 31 CD, 32 CD, 33 CD, 34 CD, 35 CD, 36 CD, 37 CD, 38 CD, 39 CD, 40 CD, 41 CD, 42 CD, 43 CD, 44 CD, 45 CD, 46 CD, 47 CD, 48 CD, 49 CD, 50 CD, 51 CD, 52 CD, 53 CD, 54 CD, 55 CD, 56 CD, 57 CD, 58 CD, 59 CD, 60 CD, 61 CD, 62 CD, 63 CD, 64 CD, 65 CD, 66 CD,
Ah bah je l'ai vu, hein, j'en ai pas vu qu'une, hein, j'en ai vu 15 000. Elles sont enfermées dans des boules avec de la neige. Putain, les pauvres. Comme ça. En plus, si tu ne se coupes pas, il se passe rien. Elles doivent bien se faire chier là-dedans. Quoi. Et puis à Nazareth, il n'y a pas de neige. Hein. Putain, ça se trouve, la petite vierge, elle se dit où c'est de la cocaïne, elle est pas mal, je vais arriver, on fait la fête. C'est pas la boule. Et que là, hein, putain. Que là. Et puis en fait, quand j'étais là-bas, mes collègues m'avaient dit ah putain, Magui, si tu vas à Lourdes, s'il te plaît, ramène-nous de l'eau bénite. Normal. Alors moi j'ai cru qu'ils se foutaient de ma gueule vraiment, mais en fait non, c'était complètement sérieux, c'était pour l'apéro. On est dans le pont. C'est un apéro béni, je comprends, on s'en est arrêté, j'étais là chercher de l'eau bénite quoi. Et quand je suis arrivée comme ça pour pêcher de l'eau bénite, je me suis rendu compte que ben, moi j'avais amené ma petite bouteille hein, vide, hein. Pas con la fille, hein, j'ai prévu. Et ben mon voisin de gauche, lui, c'était bien fait arnaquer, il a acheté un cubit de 5 litres avec la tête à Jésus dessus. Et quand il remplissait ça, je me disais, ouh, putain, 5 litres d'eau bénite, oh, putain, vous êtes nombreux à l'apéro, vous, hein. Un apéro de quartier, en fait. Et puis celui de droite, il a acheté la petite fiole en forme de vierge, tu sais. Oui, oui. La même qu'on te ramène de Lourdes, t'es content qu'on te ramène ça, c'est un cadeau, ouais. Eh ben là, par contre, ça, je me suis dit que c'était culotté, oui. Bah oui, eh. Imagine, regarde, Lourdes, ça doit être sûrement la seule ville en France où tu peux te payer une petite vierge. Ah, puis c'est à toi de la remplir, c'est dégueulasse! Oh.
plus de carburant, moi, tu vois. Ah, ben, voilà. C'est ça, en fait, parce que la bière qui se trouve à nos pieds, c'est pas du tout la bière. Hein. Ça n'a rien à voir avec de l'alcoolisme chronique jurassien. C'est parce qu'en fait, amener une horloge comptoise sur scène, c'est un peu le bordel, il faut bien qu'on mesure le temps de concert. Donc on s'est rendu compte que du côté de Maxou, une bière, ça faisait une demi-heure, chez moi, c'est une heure. Donc, ouais, c'est ça, c'est une demi-heure qu'on joue. Ouais. Voilà, donc c'est un chronomètre. Voilà. Hier, on a joué dans un super endroit. C'était génial parce qu'en fait, les voisins, c'était le cimetière. Eh ben, c'est vachement bien. C'est comme ici, hein, en fait. Ici, t'es pas emmerdé par les voisins. Donc moi, je me suis dit, par exemple, là, tu peux faire un apéro de quartier, ça te coûte pas grand-chose. Tu sais, comme hier, avec le cimetière à côté, bien. Hein. Parce qu'il y a quand même un phénomène qu'on retrouve super souvent avec Maxou, avec toutes les dates qu'on fait. On se rend compte que plein de fois, là où on va jouer dans les cafés-concerts, ils sont toujours emmerdés parce que, bizarrement, il y a des gens qui viennent acheter des appartements en face d'un café-concert, alors que ces gens-là ne supportent pas ni le bruit, ni la musique, ni les gens. C'est con. Et dans ce cas-là, faut pas aller se mettre... Faut aller à la campagne, viens là, en fait. Au cimetière. Viens, ouais, à côté du cimetière, à côté du cimetière, t'es vraiment pas mal. Enterre-toi, carrément. Ouais, enterre-toi. Quoique, il est sous la terre, il y a les vers de terre, ça fait chier. Ça fait du bruit, il creuse toute la journée, t'as les couilles. Merde. C'est cool d'être un vers de terre. Bref. La chanson suivante, c'est une spéciale dédicace à toutes les connasses d'en face. Ça fait des mois. Il fallait juste pas vivre.
longtemps sur scène, ben. Il est mort. Ah, mais, c'est comme ça tout de suite l'apparence, il n'avait pas l'air super vivant. Hein. Il vous avait pas. D'ailleurs, on se dit que ça se trouve, il est empaillé, puis il le collait dans du formol, ça fait 15 ans, puis ils ne l'ont pas dit. Et ben, ça se peut. Hein. Et puis il parlait comme nous hier soir, quoi. Tout pareil. Copain, pareil. Il est trop tôt pour t'évader, te tirer loin de tes tracas. Attends un peu avant de chialer, en te disant que la vie c'est ça. C'est qu'un gros cumul d'emmerde que tu voudrais sauver ta peau et laisser tout le monde dans la merde. Je sais mon gars, t'as pas eu de poids. Tu voudrais te conduire comme un lâche, t'en aller foutre le camp, là où les hommes ne sont plus vaches, là où même Dieu, il a pas le temps. Laisser ta femme et puis tes mômes devant ta foutue lettre, pour qu'ils vivent avec ton fantôme pendu dans chaque coin de leur tête. T'as mal aux lames, l'ami, mal à l'âme, mal à l'ennui, mal au yon, l'ami, mal à l'envie, mal à la vie. Ah mais t'inquiète pas, j'ai mis sur un air joyeux, comme ça passe tout seul. Ah, là d'accord.
Ah, c'est parce qu'en fait, j'ai écrit une chanson sur la maladie de Lyme. Ouais. Ah, je sais pas si vous connaissiez un peu la maladie. Alors, il y en a qui disent la maladie de Lyme, il y en a qui disent la maladie de Lyme. Ouais, c'est la fête, tu sais. Ah, ouais, c'est la fête. Tu sais, c'est la maladie transmise par les tiques. Tiques. Un petit tique. Et alors, qui c'est qui a pas encore la maladie de Lyme? Alors, hein. Eh ben, faut en profiter. Non, mais nous, on a de la chance en France, par contre. On a vraiment de chance, c'est qu'en France, on n'est pas atteint par cette maladie. On n'est encore pas touché. Non, c'est bien. C'est vrai. Non, en Angleterre, ils ont traqué. En Suisse aussi. En Suisse. En Allemagne. En Allemagne, c'est tout resté chez les enculés d'en face. Mmh. Avec les villages, tout merdé, là, hop là, comme tout s'est arrêté à la frontière. Voilà. Nous, en France, on a des petits tic-tics tout propres. Et c'est hyper énervant en fait cette maladie. Moi pour le coup c'est mon frère qui est atteint de ça. Et en fait je vois comme il doit se démerder tout seul, comme tous les patients ils sont comme ça en train, dans l'autodémerde hein, vraiment, à payer leurs médicaments, puis à les faire soigner en Allemagne ou aux États-Unis, et vraiment à taxer comme des enculés, puis à être pas reconnu. On a un test qui marche pas, enfin bon, il y a vraiment plein de trucs ahurissants. Alors je me suis dit, bah tiens, moi j'ai un micro devant la gueule devant tout le week-end. Hein. C'est ça Maggie. Et puis j'ai quand même une grande gueule de franc-comtoise. Oh c'est cool. Ouais. J'ai une guitare dans les mains, donc bah tiens, ok d'accord, je vais leur faire une petite chanson douce aussi. Sauf que je me disais, allez tiens, pour un coup, ça serait pas mal que celle-là elle passe à la radio, parce qu'autant t'as bien compris que Maggie Ball ça passe pas à la radio. Hein, voilà. Mais je me dis, allez, celle-là, ça serait sympa si on veut faire avancer le schmilblick. Mais pour pas que ça passe, pour que ça passe à la radio, il faut qu'il n'y ait pas de gros mots. Et ça, putain de merde, ça me chie. Donc on l'a fait autrement. C'est que j'ai écrit la chanson en français, puis j'ai fait traduire en créole réunionnais. Et le mec direct, j'ai dit, ah putain, comment on dit enculé en créole? Et elle me dit, ah ça dit quitte ta mère. Quitte ta mère. Eh, quitte ta mère, c'est bon ça. Donc là j'ai dit, eh ben voilà, eh quitte ta mère, ça passera peut-être sur France Inter. La mine fait des ordres, à cause il est bête. Là tout le monde est malade, et il fait mal sa tête. Gouverneur la démocratie, il en fout. Il gratte Loki, il va avoir un fil la peau. Donc vous êtes malade, il est fou. Même s'il est savoir, car la tombe bien éduquée. Il a du travail, la vie femme aussi. Quand les cris de secours, son entourage les vide. Dans la ticket, on pique la taco ta caisse, elle t'a piqué, faut quitter. Mais si tu t'appliques, à quitter ta pique, prends les pincettes et casse-moi la tête. Tiquele, 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 tiquele là. Tiquele, 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 tiquele là. Si je crie au scandale, c'est parce qu'une petite bête de simple morale, si jamais elle te plaisait au gouvernement, on n'en a rien à foutre, on suche en regardant un match de foot. Le mec il est malade, on le prend pour un fou. Et il se tape la parade chez tous les marabouts. Il a perdu son taf, il a perdu sa moche. Quand il sonne à la carte, y'a personne qui décroche. Tiquele, 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 tiquele là. 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 Son corps en douleur, son œil pour les trembles, il est plus avancé, ils sont des endroits, ils croient pas à lui, et des petits bois, ils préfèrent soigner dans la merde. Dans son match de France, il est tout seul, il va tenter la terre, des merdes à lui, même si la docteur, il comprend son maladie. Pour soigner à lui, son diplôme l'est en danger. Par les trois qui ta mère, il contrôle le ministère. Le tout public s'embête, il dit que c'est un hypocon.
Vas-y, ils ont déjà, on leur fait déjà assez de publicité à ces enculés, justement. Je vais pas en faire plus, quoi. Et puis là, cette année, je me suis dit, putain, tu sais quoi, on rentre dans une année électorale. Eh ben, tu vas voir. Érection nationale. Érection nationale, ouais, voilà. Paf. Dans le cul, ouais. Tout dans ton, ouais, voilà. C'est ça. On va s'arrêter, hein. Eh ben là, je me suis dit, tu vas voir qu'à tous les coups, il va falloir encore qu'on vote pour l'enculé, pour pas que le connard y passe. Allez, je t'en fous douce. Spécial enfant. Tous les enfants. Allez, Maggie. Une petite chanson pour les trous de balle. Les mardeurs, les fainéants, les repris de justice, pas de colons au gouvernement, mais que fait la police? Ils se pavanent dans la rue, sans vergogne et sans crainte, ils ont tellement casserole au cul, même les casseroles portent plainte, ils se ruent sur le pouvoir, comme des mouches sur une mer, j'aime tout ça de vingt soir, et ça ferait de l'huile de grosse merde. Voter pour l'enculé, pour pas que le connard passe, c'est un peu comme Jérémy. Thank you.
il est rouillé. Quel joyeux sacerdoce, sans plus d'avoir la découpée. Bah, il champagne le ténalos, ça c'est parler de ses fils de pute. Moi j'arrête ma chanson, tant pis, il n'y aura pas de chute. Mort à chez Marocco. Il n'y a pas de problème. Ok, ça va toi le matou? Ouais. Ouais, monsieur. Ouais. Moyen. Ouais, mais c'est cool, hein, c'est pas ça. C'est... Ouais, non, c'est sympa. Il manque un petit quelque chose. Il manque un petit truc, justement, pour qu'on se sente vraiment comme chez nous. Voilà. Mais sinon, c'est... Ouais. Ah, voilà. Pourquoi l'idée? Je sais pas. Oh, lève ton chapeau. C'est Christelle, hein, ton prénom? C'est ça? Ah ben celle-là, elle est pour toi. Oh, tu m'as demandé tout à l'heure une chanson pour toi, ben elle est là. Non, parce que d'habitude, on a tout le temps au minimum un boulet bourré qui vient nous faire chier sur scène. Et là, on ne sait pas où il est. C'est con parce qu'en fait, on est. Tu m'as demandé une chanson pour toi, je te la donne. Ah, c'est con parce qu'on est habitué, on cause le boulet bourré maintenant, d'ailleurs. On est bilingue. Et d'ailleurs, Maxou, la semaine dernière, il a été écouter le Brame du Cerf et il m'a dit que ça lui faisait penser à ça. C'est quand même le Brame du Cerf, il a fait chaud, quoi. Eh putain, les gonzesses chevreuils, elles kiffent ça. Eh, parce que c'est pas évident. Même le boulet bourré, un peu. C'est ça. Parce que nous, on en a tout le temps qu'il nous faut. Oh, et la chanteuse. Oh, oh, la chanteuse. Oh, tu ne voudrais pas chanter du Michel Sardou, s'il te plaît. Hey, du Johnny, du Johnny aussi. Et des fois, ils nous disent, oh, hey, musicien. Oh, oh, musicien. Hey, c'est l'anniversaire de mon pote. Oh, tu ne veux pas avoir une chanson de la pub, leur du tout. Hey. Ah, et ben, on en a tout le temps. Putain, des fois ils montent sur scène, et puis quand ils montent sur scène, ils te renversent bien ta bière, c'est genre. La base du boulet, quoi, fait. Ouais. Et puis quand je te raconte ça, forcément, tu t'imagines que c'est, le boulet bourré, c'est un mec. Bah non, pas toujours. C'est bien ça le problème. C'est que déjà, une nana, genre, elle lâche rien, mais bourrée. Et un jour, on va aller tomber sur Colette. Et ben Colette, c'était un vrai boulet de compète, la Colette. Alors, Colette, ferme ta gueule, Colette.
toutes les collettes. Et on a tous un petit collet-collet dans nous. Ah oui. Moi aussi, des fois, je transforme. Ouais. Ouais. Attention, ça peut arriver. Bon, c'est... L'air de rien, là, on est en train de rentrer dedans. On le rappelle. Hein. Ouais. Ouais. Donc, à partir de dorénavant, on considère qu'on rentre dans l'appel. Ouais. Ouais. Mais tu le sais, il reste deux chansons, donc c'est le rappel. Ok, d'accord. Ouais, cool. Et en attendant. C'est tout est. Merci. C'est, merci Ben qui est au son. C'est Ben, hein? Benjamin, Benji. Benjamin. Ouais, ouais. Merci Benjamin qui est au son. Ouais. C'est cool. Si vous avez pu nous voir, c'est grâce au mec qui est juste derrière Benjamin. Merci. Ah merde, j'ai pas retenu les prénoms. C'était chouette, quoi. Le repas et tout, vraiment. Merci la niche, merci Jean-Philippe qui nous a programmé là, Jérémy, etc. Parce que c'est cool. Peut-être qu'un jour on reviendra par exemple au chien à plume, on sait jamais. Ouais, on a dit comment on s'incruste, quoi. Tu sais, les prends pour toi, tu leur donnes ça, ils prennent tout en fait. Hey, pourquoi lui là, puis pas moi? Exactement, ouais, pourquoi lui il va, moi je vais pas. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, Maggie! C'est manouche. Et puis sinon, franchement, quand on est venu, on a vu que la salle était vachement bien, mais sans vous, c'était un petit peu moins gay, on va dire. Alors, merci d'être venu, merci de vous bouger le cul, merci d'être curieux. J'ai rêvé que j'avais plus de télé. Plus personne pour me faire voir les belles images du monde entier. Et comment je fais pour savoir qui c'est qui se fout sur ma gueule? Combien de clochards qui dorment dans un cercueil? Qui c'est qui va m'annoncer que Johnny n'est toujours pas mort et qu'un avion s'est écrasé parce que le pilote n'est pas fort? Heureusement que c'est pour de faux, je peux me recoller devant mon écran. J'allume les infos, c'est rassurant, tout va mal. Alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, on ira qui se fout sur la gueule. Bon ben c'est que ça va, la mort vous pille dans son fauteuil. Alors ça va, j'espère qu'avant la fin de l'année, on se mettra un autre tsunami. C'est beau la solidarité, ça fait plaisir à la patrie. Alors ça va, on ira qui se fout sur la gueule.
C'était bien attendu celle-là. Merci beaucoup. Il n'y a pas une corde câble. Non, aucune. Ah, ça va. Et si jamais tu veux la bonne version, je te le CD. À chaque fois, on dit les puristes, ils ont rectifié dans leur tête. J'avais fait un effort pour l'album quand même, je me l'ai accordé. C'est oh putain, parce que là, je sais pas comment faire avec ces oreilles. Ouais. C'est dégueulasse. Hein. Mais bon, bois un coup si jamais t'as mal aux oreilles, ça va. Ça va. Mais on l'entend. En fait, c'est depuis que je suis deux dans mon groupe, je m'accorde ma voix, je m'en rends tout en plus. Hein. Je faisais tous les concerts, pas une corde de majeur. Ouais, bonne majeure. Ouais. Et ben ça me dérangeait pas, moi je mettais pas de guitare dans mes retours, je m'entendais pas, c'est nickel. C'est rien de plus. Ok, on va faire la dernière chanson tous ensemble. Mais hey, si jamais tu vas partir avec un CD, on recommence. 3, 4, 1, jetez-les. Voilà, t'as compris, c'est 10 balles et ça va se passer là-bas. Si jamais t'en veux qu'un, il faut que tu prennes l'album Je suis pas ta mère, c'est le dernier. Voilà, puis comme ça, je suis quitte de tout. Voilà, c'est ça. Ok, la dernière chanson avant de retrouver la fabuleuse Mademoiselle K. C'est une chanson. Oui, c'est une chanson où on va pouvoir foutre le bordel tous ensemble. Est-ce que t'as envie de foutre le bordel tous ensemble avec nous? C'est une chanson d'un monsieur qui s'appelle Stella. Ça s'écrit S2TE3LA. Il est belge. Sa chanson s'appelle Robert et Cathy. Et pour cette chanson, nous allons demander à toutes les femmes de jouer le rôle de Cathy. Et tous les hommes prendront le rôle de Robert. Ok. Toutes les Cathy, à un moment donné, dans le refrain, il va falloir hurler de toutes tes forces. Connard. Et les hommes, il va falloir hurler. Mais qu'as-tu à me reprocher, Cathy? Connard! Pourquoi es-tu parti? Oh, qu'as-tu à me reprocher, Cathy? Connard! Pourquoi es-tu parti? C'est bon? Ouais, j'ai l'impression que ça va être bien joyeux, là. Ils sont fin chaud, ils sont fin chaud. Est-ce que vous êtes fin chaud? Il y a un solo au début. Il y a un super solo. Do you have-
machine à laver, une cuisine équipée. Alors dis-moi pourquoi tu m'as quitté. En profitant que je sois au café, je t'avais même offert pour la fête des mères une nouvelle loque à poussière. Tu ne l'as même jamais utilisée, connard. La prochaine fois, je garderai mon blé. Mais qu'as-tu, qu'as-tu à me reprocher, qu'as-tu? Pourquoi es-tu parti? Oh, qu'as-tu, qu'as-tu à me reprocher, qu'as-tu? Mais en tout cas, le 4 novembre à Besançon, si tu veux venir, ça va être la chouille. Oh non! Bah ouais, bah viens! Ça fera découvrir Besançon. En attendant, merci beaucoup, on était contents d'être avec vous ici. A bientôt! Bravo! Ah, ça va être bien. Là, ça va être très, très bien.